assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Au sommaire de cette édition, notre enquête près de Nancy. Cet homme s'appelle Jacques Maire. Condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de deux femmes, il a été relâché pour vice de forme, une simple signature oubliée par une greffière au bas d'un document. Les victimes sont scandalisées. Il est là, il fait le beau, il pleure. Pourquoi il chie à lui? Il a perdu quoi? Rien. Rien du tout, il est mis dehors, libre comme si de rien n'était. Le reportage de la semaine aux États-Unis. Pour échapper à la prison, les délinquants sont condamnés à des peines de la honte. Je vous donne 30 secondes pour dire la vérité. Ça fait. La ferme et écoutez. Vous avez 30 secondes pour dire la vérité. Je ne le dirai pas deux fois. Jessica, qui a pris de l'argent à son patron, a été condamnée à écrire 100 000 fois « Je ne volerai plus ». J'ai des cales sur les doigts, cela fait 6 mois que j'y suis. Le portrait de la semaine, Pascal Bonnet, détective privé. Un métier aux frontières de la loi. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. Mais d'abord, notre enquête près de Nancy. Sur un homme accusé d'avoir tué deux femmes. Tribunal de Metz, le 6 octobre dernier. Cet homme s'appelle Jacques Maire. Il devrait être en prison. Il a déjà été condamné deux fois pour le meurtre et la disparition de deux jeunes femmes, Odile et Nelly. Il a fait 2 ans de prison avant d'être libéré pour une raison incroyable. Une signature de greffière oubliée au bas d'un procès-verbal. C'est donc libre qu'il comparaît pour la 3e fois devant une cour d'assises. Enculé, va ! Il clame toujours son innocence. Moi, je sais que je suis innocent. Donc, j'espère bien avoir un acquittement. C'est tout ce que je peux dire. Les familles des victimes, elles, sont ulcérées. 3 procès, il y en a ras-le-bol, quoi. On était tranquille à Épinal, on a tous cru qu'on était enfin libre de tout ça, qu'on pouvait un peu passer à autre chose, et malheureusement, il a fallu tout recommencer. Ce qui a été scandaleux, c'est la signature qui a manqué. Ça, ça m'a vraiment mis en colère. Les familles, je les comprends. Je sais ce que c'est. Moi, je souffre autant qu'eux. Ça fait quand même plus de 20 ans que je suis mis en accusation. Je sais ce que c'est. Faut pas croire. J'ai l'air comme ça d'être normal, mais tout est là, hein. Tout est à l'intérieur. Jacques Maire sera-t-il condamné une 3e fois? Ou sera-t-il acquitté? Le verdict sera rendu dans quelques heures. La décision des jurés mettra un point final à une affaire qui dure depuis plus de 20 ans. Tout commence à Dombasle-sur-Meurthe, le 23 mars 1983. C'est dans cette petite ville ouvrière, aux portes de Nancy, que disparaît Odile Busset, une jeune maman de 20 ans. Comme tous les vendredis, Odile va faire la fête dans une boîte de nuit de la région. À 19h, elle vient déposer son fils de 18 mois chez sa mère, Simone. Elle lui dit qu'un certain Jackie l'attend dans sa voiture en bas de l'immeuble. Pour Simone, il ne peut s'agir que de Jacques Maire. La voiture démarre, plus personne ne reverra jamais Odile. Le lendemain, Simone s'inquiète. Maman a commencé à s'inquiéter parce qu'elle n'aurait pas laissé le gosse comme ça en lui disant qu'elle venait le récupérer. Si elle venait pas le récupérer, elle l'aurait dit. Hein, elle aurait dit que c'est... Donc moi, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était inquiète, que Odile n'était pas venue chercher son gosse. Bah, je lui ai dit, attends, t'inquiète pas, tu sais, Odile, tu sais comment elle est jeune, elle est... Bon, t'inquiète pas, ça va pas... Elle va revenir dans la soirée ou demain, mais t'inquiète pas. Vers midi, Madame Busset reçoit la visite de Jacques Maire. Elle était certaine qu'il avait emmené Odile la veille au soir. Mais curieusement, il affirme ne l'avoir pas vue. Il n'y avait même pas 24 heures qui s'étaient écoulées, on pouvait penser qu'elle allait réapparaître. Surgit Jacques Maire, on n'attendait absolument pas.
que l'on n'avait pas absolument pas du tout recherché, dont on ne savait pas qu'il pouvait être au courant, justement, de la disparition d'Odile, et qui vient en quelque sorte voir Madame Busset pour se justifier qu'il est pour rien dans la disparition. Mais à l'époque, il n'y avait pas de disparition. Un comportement d'autant plus étrange qu'une voisine se souvient avoir vu la veille au soir Odile entrer dans une voiture orange. Cette jeune femme a remarqué cette voiture orange et a même parlé au conducteur qu'elle connaissait. Or, il n'y a, d'après l'enquête, il n'y a qu'une personne qui possédait une voiture orange à l'époque des faits, c'est Jacques Maire. Simone Busset part au poste de police et déclare la disparition de sa fille. Mais elle ne parle pas de Jacques Maire. Maman elle-même n'a pas trop parlé de Jacques Maire à l'époque, surtout par peur. Peur de représailles, peur de... on ne sait pas exactement de quoi. Hein. Et elle le dit encore maintenant, elle le regrette. Elle dit, c'est vrai que j'aurais dû déjà parler de Jacques Maire dès le départ. Il faut dire qu'à l'époque, à Dombasle, Jacques Maire fait peur. Petit caïd local, il a alors 30 ans. Une réputation sulfureuse et un casier judiciaire chargé. Il compte déjà plusieurs condamnations pour vol, coups et blessures. C'était le petit bagarreur du coin, quoi. Il cherchait la bagarre à tout le monde, enfin, surtout quand ils étaient plusieurs. Et puis, bon, il fréquentait les bistrots, donc il devait prendre quand même des... il devait bien boire, quoi, disons. Hein. Il devait... Donc, c'était ça, la réputation, quoi, en fait. Coureur de jupons, Jacques Maire aurait peut-être aimé avoir une liaison avec Odile. Jacques Maire devait avoir des vues sur ma sœur, à mon avis. Bon, elle était blonde, elle était assez mignonne. Bon, à mon avis, il avait des vues sur elle, quoi. Mais ces éléments ne sont pas portés à la connaissance de la police. Odile est simplement répertoriée au fichier des personnes disparues. Aucune enquête n'est ouverte. Odile est oubliée. Mais 4 ans plus tard, une autre jeune femme disparaît à Dombasle. Elle s'appelle Nelly Adhérer. Janvier 1987. Ce soir-là, Nelly et son mari Michel se disputent. À l'époque, leur fille Jessica est âgée de 3 ans. Ce qu'il y a eu, c'est qu'elle s'est disputée avec mon père pour des histoires de chèques. Ils n'avaient plus d'argent, elle a été faire des courses avec ses parents qu'elle n'aurait pas dû. Elle est comme n'importe quelle personne, elle a craqué sur 2-3 trucs, elle a acheté des choses alors qu'elle n'aurait pas dû. Mon papa s'est disputé avec elle. Ce qui a fait qu'après, bon, bah, comme dans n'importe quelle dispute, ça a lâché un peu. J'ai appris qu'il l'avait giflé sous le coup de la colère. Bon, il l'a regretté, ce qui est normal. Et du coup, elle est montée pour aller voir chez son frère à Dombasle. Vers 19h, Nelly claque la porte du domicile conjugal. Elle part à pied, puis fait de l'autostop. Elle veut se réfugier chez son frère. Il n'est pas là. Elle fait des allers-retours entre l'immeuble et le café du coin. Elle a fini par les sonner chez la voisine pour savoir s'il savait s'il était là ou s'il savait où il était, s'il rentrait. Et comme il n'y avait personne, elle lui a dit non, on ne sait pas où il est, on ne sait pas, il est parti. La voisine est la dernière personne à voir Nelly vivante. Le lendemain, 31 janvier, le corps de la jeune femme est retrouvé dans une décharge publique, décapité, atrocement mutilé. J'ai vu 2-3 photos que j'aurais pas voulu voir et que j'aurais pas dû voir du corps de ma mère. J'ai vu les détails, donc j'ai lu un papier comme quoi elle était morte, qu'une balle dans le cœur, une dans la tête, qu'on lui avait coupé les mains, qu'on l'avait défigurée complètement, qu'on lui avait arraché une jambe qui était posée contre une gazinière. Et c'est là que j'ai vraiment compris comment elle était morte et ce qu'elle avait vécu. Nelly laisse derrière elle son compagnon et 2 enfants en bas âge. Mélanie, 9 mois, et Jessica, à l'époque, âgée de 3 ans. Le premier souvenir que j'ai, c'est quand je suis à l'école, que je suis toute petite, que je sais que j'ai pas de maman et que j'ai des enfants qui me disent qu'elle a été assassinée. Voilà, que ma maman est morte, qu'on l'a égorgée. C'est le premier souvenir que j'ai en tant qu'enfant. Les premières fois où je me suis vraiment sentie que j'avais plus de maman. À 3 ans, quand on enlève la maman de quelqu'un, ça reste. Tout au long de ma vie, j'aurais eu besoin d'une maman. J'en ai encore besoin actuellement, j'en aurai encore besoin même plus tard. Une maman, on la remplace pas. L'assassinat de Nelly fait grand bruit dans la région. La police enquête,
Elle fait le tour des bars de nuit à Dombasle et interroge les voyous du coin. Mais pendant 2 ans, pas d'indice. Les enquêteurs ne trouvent pas l'ombre d'un suspect. Mais un élément va bientôt faire basculer l'enquête. En 1989, le policier chargé de l'enquête, c'est cet homme. Il est commandant de police, il s'appelle André Massel. Un jour, il reçoit une lettre anonyme. Les graphologues diront qu'elle a été rédigée par la main d'une femme. Au sujet de l'affaire Nelly, M. Jacquimère est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie et la fille Busset. Pose-lui la question, quand il est ivre, il parle beaucoup. Ça veut dire qu'une personne anonyme affirmait que Jacquimère avait été vu avec Nelly Adéret et Mademoiselle Busset. L'enquêteur prend la lettre au sérieux et il retrouve 2 témoins à charge contre Jacquimère. D'abord une certaine Akima, la voisine qui a vu monter Odile dans la voiture de Jacquimère le soir de sa disparition. Moi, quand j'ai entendu Akima, elle m'a confirmé tout à fait. Elle dit oui, c'est vrai, j'ai dit à Madame Busset que c'était Jacquimère qui était là, mais parce que c'était lui. Elle dit d'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à Jacquimère, il va vous le dire. Ben, j'ai dit non, si je demande à Jacquimère, il ne me le dira pas, mais si, qu'elle me dit confrontez-moi avec lui et vous allez voir qui va vous le dire. Et puis, donc, je l'ai confronté avec Jacquimère devant moi. Elle a dit, Jackie, tu te rappelles, quand t'as amené la fille Busset, bon, elle était folle, c'est pas moi, etc. Bon. Et à partir du moment là où Jacquimère a nié, là, ça, elle a changé de couleur. André Massel retrouve plus tard un 2e témoin à charge. Cette fois dans le meurtre de Nelly, la 2e victime. Ce témoin, Viviane, aurait vu Jacquimère attendre Nelly le soir de sa disparition. Le bras de Nelly était là, elle a vu Jacquimère par la fenêtre. Des reconstitutions ont été faites avec Jacquimère, une voiture identique avec les avocats et tout. On a fermé la lumière dans le village et on a pu constater qu'on voyait exactement la même chose. On voyait très bien Jacquimère et on voyait sa plaque d'immatriculation. À partir de ce moment-là, Jacquimère devient le suspect numéro 1. Mais il nie tout et aucune preuve matérielle n'existe contre lui. L'accusation repose uniquement sur les 2 témoignages recueillis par la police. Tout le monde dans le village devine que c'est Jacquimère, mais tout le monde se tait parce qu'il le considère comme un fou furieux et puis voilà, capable du pire. Jacquimère est finalement mis en examen en 1997 et envoyé devant la cour d'assises. En 2004, à Nancy, il est condamné à 15 ans de prison pour le meurtre d'Odile. Il fait appel. En 2006, à Épinal, il est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Odile et de Nelly. Mais un vice de procédure annule le procès. Jacquimère est libéré. Ce vice de procédure, le voici. Une signature oubliée au bas d'un procès verbal. Nous nous sommes procuré le document. Au milieu de la page, 2 signatures. Celle de la présidente et de la greffière. Au bas de la page, 1 seule signature, celle de la présidente. Manque celle de la greffière. Le procès est annulé. Jacquimère aura, en tout et pour tout, passé 2 ans derrière les barreaux. Trois semaines avant son procès, nous l'avons rencontré. Il a repris son travail de maçon et se rend chaque jour sur des chantiers. Il continue à nier les faits qui lui sont reprochés et se dit incapable de lever la main sur une femme. Ils sont quand même assez renseignés, quand même, la police, durant l'enquête, pour savoir comment j'étais avec les femmes, tout ça. Il n'y en a aucune qui puisse dire. À part aux assises de là, il y a une qui est venue dire comme quoi que je lui avais mis une claque et puis que je lui avais cassé une dent. C'est vrai, ça, je le reconnais, c'est vrai. C'est parce que dans les moments-là, elle avait envoyé une lettre anonyme à ma femme, comme quoi qu'elle disait qu'elle sortait avec moi, tout ça. Donc, sous le coup de colère, quand je l'ai vue dans le café, je lui ai mis une claque. Point, c'est tout. On ne peut pas dire que j'ai martyrisé des femmes. Aucune femme, j'ai martyrisé. Quand j'avais des histoires, c'est avec des hommes, pas une femme. On ne touche pas une femme. Une femme, c'est une femme. Et des histoires, Jacquimère en compte plus d'une. Des bagarres de jeunesse, surtout dans les cafés du coin. La personne-là demandait une cigarette à mon ami. Et moi, j'ai compris, tu vas me faire une pipe. Alors tout de suite, j'ai monté sur mes genoux, et puis voilà. À la personne-là, je lui dis, sors dehors, tout. On est sorti dehors, je lui ai mis un coup de couteau, j'ai ouvert la bouche.
c'est tout. Je le reconnais. C'est envers des hommes, c'est pas envers des femmes. Les femmes... Aujourd'hui, Jacques Maire se rend chez ses avocats pour préparer sa défense. Autrement, comment vous vous sentez ? Confiant. C'est bien ça. Confiant, je suis confiant, de toute façon. Vous êtes bien accepté, quoi, parmi les gens de Dombasle ? Oui, je vais être franc, j'évite quand même, si je vais sur le marché, mais j'évite de sortir de Dombasle pour ne pas rencontrer certaines personnes, c'est tout, quoi. Ouais. Autrement, non, je fais ma vie normalement. J'ai ma conscience tranquille pour moi. Pour ses avocats, Jacques Maire serait victime de sa mauvaise réputation et de l'acharnement des policiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'interroge véritablement, de plus en plus quand même, sur ce travail d'enquête des policiers, surtout l'orientation. L'orientation et le parti pris dès le départ. Beaucoup de témoins sont venus dire « les policiers nous ont affirmé être convaincus de la culpabilité de Jacques Maire et que finalement, qu'on dépose ou qu'on ne dépose pas, ça ne changerait rien. » Les témoins, sincèrement, ils ne pourraient pas dire que c'est moi qui ai fait ça. Ça a été sur des dépositions que peut-être que. C'est tout, on dit, c'est tout. Et ce qui est ennuyeux, vous voyez, c'est quand même pas de chance, mais les témoins, qui sont deux femmes, une dans chaque affaire, les deux sont décrites par leur entourage comme des personnes tenant des propos très peu fiables. Les deux ont leur environnement qui dit « ça, c'est une fille qui ment constamment et qui raconte n'importe quoi ». Palais de justice de Metz, vendredi dernier. C'est le jour du verdict. Jacques Maire sera-t-il condamné ou acquitté ? L'enjeu est important. Jacques Maire est à cran. L'heure n'est pas aux interviews. Ça y est, c'est bon. Allez, ne filmez pas. À quelques mètres de lui, les familles de Nelly et d'Odile. Pour elles aussi, l'angoisse monte. Je prie, je croise les doigts pour qu'il soit condamné, parce que là, il y en a marre. Une personne qui a fait autant de mal ne peut pas rester dehors. C'est pas possible. Dans son réquisitoire, l'avocat général demande 20 ans de prison. Une peine trop indulgente pour Michel, le père de Jessica. Nous, on souhaite qu'il prenne 30 ans. Il a fait quand même du mal. Il faut quand même voir ce qu'il a fait. Il a quand même massacré ma concubine. Il l'a découpé. Il l'a mis sur une décharge. Tout ça, c'est... nous, on l'a mal vécu. Il a brisé notre vie. Après ce que le procureur a demandé, 20 ans de prison, c'est sûr que ça me travaille. Mais je suis confiant quand même. C'est les jurys qui vont décider. Et pour ma part, ça peut aller que bien. Je suis innocent, donc ça peut aller que dans mon sens. C'est tout ce que je peux dire. Reprise de l'audience, la parole est à la défense. Mais quelques minutes plus tard, un incident éclate. La famille d'Odile Busset, la première victime, sort scandalisée. Les avocats de Jacques Maire viennent de décrire Odile comme une fille aux mœurs légères. Je sais pas comment ils font pour rester en vie avec des connards comme ça. Ils accusent les morts parce que les morts ne peuvent pas se défendre. C'est incroyable. C'est lamentable d'entendre des choses pareilles. C'est honteux. Regardez, là la mère d'Odile Busset, voilà. Voilà comment qu'on... Là, ce qu'on subit... C'est les victimes, maintenant, qui sont accusées, quoi. C'est incroyable. Franchement, il n'y a pas de mots, quoi. Après 6 heures de délibéré, les jurés vont rendre leur verdict. J'attends. Je suis stressée. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on attend, donc je suis stressée. Cinq minutes plus tard... La présidente rend le verdict. Jacques Maire est acquitté. Dans le box, ils font en larmes. Les familles, elles, quittent la salle, effondrées. Épinal, il est coupable pour les deux, et là maintenant, plus rien, comme si de rien n'était.
On voit un homme qui, pour nous, restera toujours l'assassin de ma mère, qui a fait disparaître Odile Busset. Maintenant, là, il est là, il fait le beau, il pleure. Pourquoi il chiale, lui? Il a perdu quoi? Rien. Rien du tout. Il est mis dehors, libre, comme si de rien n'était. Nous, c'est à zéro. On a attendu toute la journée pour résultat des courses. Qu'Épinal, ce soit comme s'il n'y avait rien eu. Mais Épinal, il a quand même été dit coupable. C'est pas parce qu'il y a des signatures qui manquent sur des documents que tout remet en cause. La justice, elle est mal faite. Faut changer les lois. C'est pas normal que quelqu'un qui est dit coupable sur un procès puisse refaire à l'autre comme si de rien n'était. Non. Je suis écœuré surtout, oui. Écœuré. Écœuré. Sous le coup de l'émotion, Jacquemert reste près d'une heure dans le box. Monsieur Maire ne veut plus être filmé, là. C'est bon, vous l'avez eu. Il faut que le temps qu'il se remette, maintenant. Il est avec sa femme. Vous avez vu comment il est. Il veut être tranquille, voilà. Jacquemert est acquitté. Mais 25 ans après les faits, et au terme de 3 procès d'assises, les meurtres d'Odile et de Nelly ne sont toujours pas élucidés. Tout de suite, Pascal Bonnet, détective privé. Un métier aux frontières de la loi. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. Mais d'abord, notre reportage aux États-Unis sur les peines de la honte. Je vous donne 30 secondes pour dire la vérité. C'est fait. La ferme est écoutée. Vous avez 30 secondes pour dire la vérité. Je ne le dirai pas deux fois. Jessica, qui a pris de l'argent à son patron, a été condamnée à écrire 100 000 fois « Je ne volerai plus ». J'ai des cales sur les doigts, cela fait 6 mois que j'y suis. Harris City, Texas. Sur le panneau de Janet, il est écrit « J'ai conduit en état d'ivresse et j'ai provoqué un accident. L'alcool au volant est dangereux. Ne faites pas comme moi. » Janet doit porter cette pancarte 8 heures par jour pendant une semaine face à l'école où elle travaillait comme surveillante il y a quelques mois. « T'as fait de la tôle ? Elle était saoule, elle a eu un accident. » Alors vous trouvez ça bien comme punition? Si elle a bu et qu'elle conduisait, elle a pu tuer quelqu'un. Elle devrait aller en prison. Il donne généralement ce type de peine quand il n'y a pas eu de blessé. C'est le juge Ted Poe qui fait ça pour gêner les gens et leur faire prendre conscience qu'ils auraient pu blesser quelqu'un. Vous êtes gêné de faire ça devant les enfants? Oui. Les enfants sont tellement sincères. On appelle cela les peines de la honte ou l'humiliation publique. Une nouvelle façon de punir les délinquants en les soumettant à l'opprobre populaire. Dans certains États américains, c'est comme cela qu'on punit les délits. Memphis, dans le Tennessee, le juge Joe Brown est un fervent partisan des peines de la honte. Il est devenu célèbre le jour où il demanda aux victimes d'un cambriolage d'aller se servir et de prendre ce qui leur faisait envie chez leur cambrioleur. Joe Brown utilise ce genre de peine uniquement pour des délits mineurs. Et il certifie qu'avec l'humiliation publique, le taux de récidive chute de moitié. Est-ce que vous jurez de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Asseyez-vous. Aujourd'hui, il juge John Bennett, accusé de trafic de drogue. Monsieur Bennett, vous aviez de la drogue sur vous et vous avez vendu de la cocaïne à des policiers civils, c'est ça? Non. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Vous feriez mieux d'y penser à deux fois. Vous voulez aller en tôle? Vous y êtes presque. Alors recommencez, je vous donne 30 secondes pour dire la vérité. C'est fait. La ferme est écoutée. Vous avez 30 secondes pour dire la vérité. Je ne le dirai pas deux fois. La vérité vous sauvera peut-être.
Pourquoi je ne vous mettrai pas en taule afin de donner l'exemple? Vous avez 7 enfants et votre conduite les met en danger. Donnez-moi une bonne raison. Je jure que je ne le ferai plus jamais. Vous allez à l'église? Oui. Alors, si vous croyez en Dieu, on va faire comme ça. Vous allez vous excuser face aux fidèles de votre église. Et puisque vous avez un magnétophone, vous allez tout enregistrer. Vous ferez face à l'assistance pour confesser vos péchés et vos délits. Et je veux écouter cela. Vous me donnerez la cassette pour que je l'écoute. Si ça ne me va pas, vous irez en tôle. Dans le tribunal, Rebecca. Pour avoir pioché dans la caisse de son employeur, elle a été condamnée à écrire 100 000 fois « Je ne volerai plus jamais ». Une peine qu'elle doit effectuer en public, dans la salle du tribunal. On la laisse partir, elle ? Laissez-la partir. J'ai l'impression qu'il va me laisser partir. Vous avez fini ? J'en suis pas loin. Combien de fois vous avez écrit ? 76 000 fois. Voilà ce que ça fait, 76 000 fois. Il faut que je remplisse 36 cahiers et demi pour arriver à 100 000. Recto verso. Vous avez honte de faire ça ? Honte, bien sûr, mais je préfère ça que d'être en prison. Parce que j'aurais eu encore plus honte d'être enfermée. J'ai des cales sur les doigts, cela fait 6 mois que j'y suis. Et plus jamais je ne volerai. Vous avez vu les ampoules qu'elle a sur les doigts à cause de ses écrits ? Voilà où ça vous mène d'écrire 76 000 fois « Je ne volerai plus jamais ». Bon allez, je dois y aller. En Amérique, le juge Brown est célèbre. Il présente un show télévisé où il joue son propre rôle, avec de vrais cas judiciaires. Les peines de la honte ont largement contribué à sa notoriété. Dans mon comté, on a des secteurs où sur 11 hommes, entre 18 et 30 ans, 9 d'entre eux sont passés par la case prison ou possèdent pour résidence principale une cellule du pénitencier. Il faut donc vider ces prisons. Et les peines alternatives, comme les peines de la honte notamment, permettent d'arriver à cela. C'est dimanche, le jour de la messe. Dans quelques heures, John Bennett doit faire ses excuses à l'église. Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme et vos enfants ? Je leur ai dit qu'il fallait que je fasse des excuses publiques. Je suis content de m'en sortir comme ça plutôt que d'aller en tôle. C'est dans l'église où il se rend depuis qu'il est petit que John Bennett doit effectuer ses excuses publiques. Seul le prédicateur a été prévenu par le tribunal. Cette initiative lui plaît. Parfois, la honte est une bonne façon de vous aider à régler vos problèmes. Je pense que toutes les initiatives novatrices qui visent à aider les autres sont bonnes à prendre, spécialement lorsque cela se passe dans un lieu public comme l'église, où l'on retrouve toutes sortes de gens, des jeunes notamment. Je pense que s'ils peuvent assister aux excuses, cela aura valeur d'exemple. Et dans le futur, cela les dissuadera de faire ce que la personne qui s'excuse a fait. La messe a commencé depuis une demi-heure. John Bennett n'est pas encore là. S'il ne vient pas aujourd'hui, il prend 6 mois de prison. Sa mère est inquiète. John, tu viens ou pas ? Pourquoi tu tardes tant ? Tu veux qu'on vienne te chercher ? Je sais que tu as 7 enfants, mais ça, tu le savais aussi hier. Laisse les enfants à la maison et viens tout de suite, il le faut. Sinon, demain, tu vas avoir des problèmes si tu ne suis pas les instructions du juge.
Je t'attends, John. Je suis vraiment angoissée. Je sais, j'ai vu que tu étais nerveuse. C'est pourquoi je suis venue. Il dit qu'il arrive. Plus d'une heure s'écoule et toujours pas de John Bennett. Le service est presque terminé quand John arrive enfin, accompagné de toute sa famille. Il a une heure et demie de retard. Sans les appels de sa mère, il ne serait sans doute jamais venu. Are you nervous? Yes, I am. For them to hear from you. Amen. Quelqu'un va maintenant venir à l'hôtel. Il a quelque chose à vous annoncer. On va l'enregistrer. Je demande donc à John Bennett de me rejoindre. Je m'appelle John et je dois faire cela parce que j'ai fait des bêtises avec la justice. I got myself in some trouble with the court system, and it was dealing with narcotics. J'ai vendu de la drogue, et le juge m'a ordonné de venir dans l'église pour m'excuser devant vous de ce que j'ai fait. Je ne le ferai plus jamais. Cela a bousillé ma vie. Je suis donc ici devant vous tous pour m'excuser de ce que j'ai fait. Everybody, and apologizing for what I did. Vous acceptez mes excuses? Okay. Très bien. That's what I have to say. Voilà. John croit en avoir fini, mais le prédicateur veut aller plus loin. As-tu honte de ce que tu as fait? Oui, j'ai honte. Je ne le ferai plus. Bien. As-tu honte d'être devant tout le monde et de dire tout ça? Non, je n'ai pas honte de ça. Y a-t-il autre chose que tu veux dire avant d'aller t'asseoir? Non, je m'excuse encore. Voilà. Merci. Dieu te bénisse. Pour John Bennett, le plus dur est fait, mais l'honneur de la famille en a pris un coup. Quelques mois plus tard, Janet a repassé son permis de conduire. Elle a retrouvé du travail. John Bennett a replongé dans le trafic de drogue. Il est en prison. Rebecca a écrit 100 000 fois « Je ne volerai plus jamais ». Cela lui a pris 8 mois. Pascal Bonnet est détective privé. Ce soir, il a rendez-vous avec un client dont la femme est partie sans laisser d'adresse, avec leurs deux enfants. Je vais à la rencontre de mon client. Il a un souci, qui est depuis 2005 de ne pas voir ses enfants. Il vivait avec une dame, cette dame l'a quitté, et depuis 2005, il n'a plus du tout la moindre nouvelle. Ce qui motive donc son intention de la retrouver, en tout cas de retrouver ses enfants. Le client, c'est lui, nous l'appellerons Alain. Depuis 4 ans, il se démène pour faire valoir ses droits de père, sans aucun résultat. Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des démarches juridiques qui ont pris beaucoup trop de temps, entre les rendez-vous, les démarches à effectuer, les nouveaux rendez-vous, encore un autre rendez-vous. Ça devenait trop long. Donc j'ai lancé une bouteille à la mer sur Internet. Et M. Bonnet est arrivé et on a discuté ensemble une après-midi. Il a décidé de prendre mon affaire en charge. La mission de Pascal Bonnet, retrouver la femme et les enfants de son client. Où sont-ils? En France ou à l'étranger? Première étape, le détective active des contacts secrets. Alors, la profession fait appel bien évidemment à certaines relations, notamment des gens que l'on appelle des sapiteurs, qui sont ni plus ni moins que des agents d'information. Voilà. Des agents d'information qui sont souvent des fonctionnaires. Il n'en dira pas plus. Ils ont retrouvé l'adresse où résiderait la femme d'Alain.
c'est en province. Pascal va vérifier sur place, nous l'accompagnons. À ce jour, au moment où je vous parle, j'ai une adresse. Et là, aujourd'hui, je vais me transporter à cette adresse pour justement essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant de se rendre à l'adresse indiquée, Pascal veut d'abord passer discrètement près de l'école pour vérifier que les enfants y sont bien scolarisés. Là, on est sur la place principale de la ville qui m'intéresse pour l'enquête. C'est un endroit qui m'intéresse donc à double titre. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Et sur la partie gauche, on peut voir assez discrètement l'endroit où résident donc les intéressés. Sorti des classes, Pascal parvient à photographier les enfants. Ils sont là, il en tient la preuve. C'était un grand mot, si on peut être heureux, mais en tout cas satisfait pour le papa, oui, bien sûr. Les enfants sont là, leur mère ne doit pas être loin. Pour en savoir plus, le détective attendra demain. Avec le temps, il a appris la patience. Pascal Bonnet est enquêteur privé depuis 20 ans. Un père policier et un grand-père gendarme ont largement inspiré son choix de carrière. Sa mère, 84 ans, a été le premier témoin de sa vocation. Il était curieux de nature, il fallait qu'il touche à tout, fallait dans les livres, tout. Il disait beaucoup, ses jeux, c'était des voitures, de police, de gendarmerie, d'enquêteurs, de tout. Puis il voulait être policier. C'est un vrai fouineur, que ce soit pour n'importe quoi, il faut qu'il fouille, il faut qu'il cherche, faut que... Non, non, c'est son métier, moi, je crois. Je pense que toute sa vie, il le fera, il ne changera pas. Cet agent de recherche privé, comme il aime à se présenter, refuse l'image des détectives de cinéma. Je ne suis pas du tout un James Bond, je suis avant tout Monsieur Tout-le-Monde. Je le revendique, je suis un détective à l'ancienne. Aussi bien des méthodes de travail que du matériel. Un bon appareil numérique, une petite paire de jumelles, un fort grossissement. C'est tout ce que j'ai et un dictaphone. Et il est là. Je l'ai trouvé. Bon allez, princesse, le travail m'appelle. Retour sur le terrain. Pascal veut s'assurer que les enfants vivent bien avec leur mère. Il a repéré la maison. Cette adresse est importante car elle permettra à son client de saisir la justice. Par discrétion, nous le suivons en caméra cachée. On ne peut plus tarder à approcher. Là, je vais faire un premier passage en voiture. Donc, je retire certaines choses de manière à être le plus invisible possible. Voilà, nous y sommes. Ça doit être la maison qui est juste en face de nous. Cette maison-là. De sac, on doit faire demi-tour. Le détective doit prendre des photos au plus près de la maison. Il cherche le meilleur point de vue. Le contexte de surveillance apparemment n'est pas évident. Il y a quelques riverains qui pourraient nous renseigner, mais en tout cas pas ceux-là. Ils sont trop loin de la cible. On devine effectivement, quand on regarde un peu plus près, rapidement qu'il y a des landaus. Donc ça veut dire que des enfants vivent aux abords ou dans cette maison. Pour ne pas éveiller les soupçons, Pascal Bonnet décide de se rendre très visible. Voilà, donc je reste très naturel, hein. Je fais mon travail comme s'il n'y avait personne. Un peu plus loin, une voisine promène son chien. Bonjour madame. Il n'a pas sa muselière ? Il n'a pas sa muselière et en plus, c'est l'heure du repas. Pour mener son enquête de voisinage, le privé s'improvise agent immobilier. Je travaille dans l'immobilier et je fais une série de photos sur les habitations. Ah ben oui, mais là, c'est déjà vendu deux fois. Alors. Ah, c'était vendu deux fois? Ah oui. D'accord. Et cette maison, là, vous connaissez un peu, non? Qui c'est qui habite, là? Vous connaissez un petit peu les gens, non? Oh non, puis je m'occupe pas des gens. D'accord. Okay. Je devine qu'il y a des poussettes, il doit y avoir des enfants ici. C'est un dernier, un riche qui est là. C'est un... D'accord, ok. Bon. Mais il est très... très gentil. D'accord, c'est monsieur comment? Je ne sais pas si je peux trouver un nom sur une boîte aux lettres ou quelque chose. On l'appelle Pauline. D'accord. C'est tout. Hein. D'accord. Tiens, ben, je vois. Ah, bah voilà, tiens. La chance fait partie du métier et ce jour-là, Pascal en a beaucoup, hop, puisqu'il tombe nez à nez avec les personnes qu'il recherche. Dites-moi, on s'était vu, je cherche. Oui. Journaliste. Voilà, c'est ça. Cette fois, il se fait alors passer pour un journaliste local en manque de reportage. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème ici en termes de, comment vous dire, en termes d'accident de... Si, il y avait eu une inondation il y a... En quelle année il y a eu ça? Oh, c'était dans
dans la décennie. Derrière l'homme, Pascal observe la mère et ses deux enfants qui sortent de la voiture. Et j'avais entendu parler également que ces maisons-là étaient à vendre. Peut-être, oui. Peut-être, vous ne savez pas qui c'est qui pourrait me renseigner à ce sujet-là. Ces deux maisons, le propriétaire. D'accord. Bon, ben, je vous renvoie à vos occupations familiales et à vos occupations, tout simplement. Bonne journée, merci, au revoir. C'est cool, merci, au revoir. Mission réussie, Pascal a retrouvé la femme et les enfants. Bon, ben, opération réussie. On a le prénom du monsieur, on a son signalement, on a vu des enfants, on a vu sa femme. Donc, tout va bien. Il ne reste plus qu'à donner les résultats de son enquête à son client. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai retrouvé, donc, j'ai localisé les enfants et votre ami. D'accord. Qui se trouve, donc, dans le centre de la France. Hein? OK. D'accord. Voilà, donc, l'enfant, le petit. Non, mon fils. Voilà, que vous reconnaissez, j'imagine. Ouais. Hein? Il est assez distinctif par rapport à la photo initiale que vous m'aviez remise. Hein, un petit peu grandi, mais bon, c'est la même personne. Voilà. Le même petit bout de chou. Là, je reconnais mon fils, en fait, parce que quand ma compagne a quitté l'Île-de-France, il avait 3 ans. Et aujourd'hui, il a 7 ans. Mais ma fille, je la reconnais pas du tout. Je découvre ma fille, en fait. Et ce monsieur-là qui est en photo, c'est le monsieur qui les accompagne et qui est donc le concubin actuel de votre ami. Le fait de les voir... avec une personne qui n'est pas moi, ça peut faire que mal au cœur, on va dire. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. En tout cas, là, j'ai fait un grand pas. Grâce aux informations du détective privé, Alain pourra relancer la justice et entamer une procédure pour revoir ses enfants. La semaine prochaine, dans Faits divers le mag, l'affaire Agnès Leroux. L'héritière du casino de la Méditerranée à Cannes, disparue il y a 30 ans, fait encore parler d'elle. La Cour de cassation doit décider du sort de Jean-Maurice Agnelet, le présumé coupable. Condamner quelqu'un de 69 ans à 20 ans de prison, je veux savoir à quoi ça rime en termes de justice. À rien. À Nice, avec la brigade ferroviaire en patrouille pour lutter contre l'immigration clandestine. Passeport, non ? Il n'y a pas de ticket de train, il n'y a rien. Hein. Chaque jour, une centaine d'immigrés en situation irrégulière montent dans ce train pour tenter de venir en France. On y va, allez. Oh, monsieur, monsieur,